Alors là, bon, ben, je suis occupé à faire des petites sommités de chou-fleur qui vont rentrer dans un mélange de légumes croquants avec des haricots, des oignons rouges, un peu des tomates confites, des olives et des courgettes pour accompagner donc une poêlée de corvina avec une petite crème légère au parmesan. Well, today we are here in the Parliament because WWF, together with Oratok and Sodexo, invited three celebrity chefs to cook fish dishes from sustainably caught sources. Dans le temps, on avait des calendriers de pêche qu'on respectait plus ou moins dans les restaurants, tandis que maintenant, on a des poissons qu'on trouve toute l'année à des prix qui ne sont vraiment pas raisonnables. Donc, il y a du gaspillage dans beaucoup de domaines. Par exemple, les sols, en ce moment, j'achète des sols, ils sont pleins d'œufs. On ne devrait pas, ça ne devrait pas t'autoriser de pêcher des sols pleins d'œufs. Il faudrait attendre cette période qui soit finie, de cette période de pont, et après pouvoir les pêcher. Mais ça, c'est comme je vous ai dit, faut aller à la base de la pêche des pêcheurs, changer les règles, changer aussi les règles des consommateurs. Si à un moment, pendant 15 jours ou un mois, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de sol. De temps en temps, il faut être radical. Si on continue à employer du poisson comme ça ou pas respecter les règles, dans 10, 20, 30 ans, on n'aura plus de poisson et on n'aura plus de belles matières à présenter à nos clients. Is in fact a large support for sustainably caught fish. We had a poll asking the consumers and 9 out of 10 asked for sustainably caught fish to be in the market. Well, I think it's super important that we have sustainable fish so that we can keep on eating delicious fish. Si on veut que notre enfant ou petits-enfants peuvent aussi manger du poisson, c'est très cher de faire ça. Non seulement manger moins, mais manger mieux. Most decisions by politicians, both within the Parliament and within the Council amongst ministers, have been taken only with regard to the short term. And it's just been a vicious circle. We fish, we overfish, we overfish, and bit by bit the landings go down, we have to import more, fish stocks disappear, fishing jobs go. Already the Environment Committee has looked at the issue, overwhelmingly without a single voice dissenting. It's passed a resolution backing the Commission's proposals for reform and all its key issues and calling for additional measures to promote sustainability too. I think it was a very hard race, but I will fight. I fight and I hope in the end everything is good. This is a one in a lifetime opportunity to get it right now. The fisheries has to be reformed to a way that we can fish sustainably and that we keep the stocks at a level where they can reproduce and become a source for the long-term future.